L'individu s'enfuit à pied là, il traverse le pont pour arriver au niveau du commissariat. Il est à pied? Et il a sauté du pont. Ah, il a fait un suicide? Hello? Where are you? You're missing it! Get down here right now! Where are you? We're in the tunnel! You have 5 minutes! Get down here right now! Okay. Goff 4 à Bressant de Batrouille. Bonjour, ah, j'arrive. Goff 4. Bonjour. Oh là, c'est sympathique. Alors, je sais pas si on vous a expliqué quel est, mais quand on il faut se mettre en service à la radio. Oui. Donc, il faut dire Goff. Golf 4 en service, indiqué. Voilà. Et ensuite, est-ce que on t'a dit pour mettre un message dans le canal 911? C'est fait. C'est fait, d'accord. Golf 4 pour Golf 3. Oui, j'écoute. Vous avez accès au fichier? Négatif. Ok. Bon, on va aller faire une petite patrouille tranquille. Une tranquille et détendue. C'est ma tablette qui bouffe de l'énergie en fait. Golf 3 part en patrouille. Golf 4 et ici Golf 3. J'écoute. J'ai un tissu de voiture à ma dépop. Vous êtes où?
Dans l'avenue de Stroerbergi Avenue, à côté du commerce arrière. Reçu, j'arrive, je suis à côté. Ok, merci, terminé. Bah alors, collègue. Merci. T'as rien ? Alors, ça a été hier avec le sergent Khalid. Ça a peut-être pas marché. Vous m'en recevez, et Khalid ? Pour faire les rapports, on faut faire comment ? Justement, il faut accéder au fichier. Alors, si vous n'avez pas accès, bah je vous les taperai pour vous. Vous m'entendez là? À mon avis, il doit pas m'entendre. Vous ne m'entendez pas verbalement? Non, non, quoi, je vous entendais pas quand je vous parlais. Ok, je là, c'est bon. Je règle un petit souci. Alors, chat vocal, pourquoi ça ne marche pas? Micro. Ah, marde, 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 marde. Et là, vous m'entendez à la voiture là? Là, oui, je vous entends. Ok, donc je vous disais, pour les rapports, il faut que vous puissiez accéder au fichier de la police. Ouais. Mais par contre, comme vous n'y avez pas accès, il faudrait contacter la commissaire. D'accord, d'accord. Bah, je vais essayer de la contacter. Ça marche. Bon, bah, du coup, moi je continue ma patrouille. Légèrement coupé la route, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est du commissariat encore. Bonsoir docteur, comment allez-vous? Bonsoir, bien vous? Oui, ça va, merci. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un petit souci? Oui, bah j'ai pris mon service, j'ai même pas eu le temps de changer mes habits, mon pantalon, tout ça.
Et j'ai eu un appel ici, je suis arrivé, il y avait votre collègue, mais il parlait pas, rien du tout, il bougeait pas, donc je vous ai appelé pour savoir ce qui se passait, j'ai eu mon appel ici. Et là, il s'est mis à parler quand vous êtes arrivé, mais je comprends pas. Ah. Ici, j'ai eu mon appel, et après, il y avait votre collègue. Ça va? Je fais 3 km pour venir et Ouais, il je suis parle là, je suis pas, là. donc. Apparemment, t'as eu un petit malaise. Non, non, quoi, j'étais au téléphone. Parce que j'ai eu mon appel ici, monsieur. Exactement où vous étiez, j'ai eu mon appel. Ah bon? Ouais, Ah c'est oui, c'est pour ça bizarre. que je suis venu Loumé et que je vous parlais. Et je vous ai dit, ça va pas, allongez-vous. Ah non, quoi, c'est pas moi, quoi. Soit c'est quelqu'un d'autre, un citoyen qui vous a appelé et après qui s'en allait. Vous serez un faux appel. Ah bah super, moi j'ai parce que j'ai fait 3 km pour venir et je vous ai vu là, donc j'ai cru que c'était vous, c'est pour ça que j'ai appelé votre collègue. J'ai Non, appelé votre non, collègue bon, pour quand mon savoir ce qui collègue se il m'a passait. emmené, il m'a déposé. Oui, ah d'accord, bah j'ai un appel. Bah c'est pas grave monsieur, je vais repartir alors. Razorback. Ça va, mon Oui, sergent? parce que j'ai pris mon service, j'ai même plus le temps de changer mes chaussures et mon pantalon que Razorback. directement j'ai eu un appel. Que je m'avais pas vu tomber ça. Bon, sinon une autre question, on peut se voir à l'intérieur, monsieur. Comment vous appelez? J'oublie déjà votre nom, moi je suis un peu perdu. Monsieur Tom, Ouais, monsieur Macadam, Macadam. on peut se voir à l'intérieur? Ouais, ça va, Oui, merci, monsieur Razor. Macadam, excusez-moi. On peut Oui, se y a pas voir de à sujet. l'intérieur? Bien sûr, allez-y. Pas de problème, merci. Merci. Bon, alors, t'as Rapidement, parce pu. qu'après, comme ça, je pars avec mon véhicule, hein, parce que j'entrave Pas de soucis, ça la marche du cœur. place. Alors, t'as réussi avec Pavem, Razor? Il est chaud le doc, il est chaud le doc. Moi, je vais me balader un peu plus par là. Je vais juste récupérer ma manette. Voilà. Ah, t'as des collègues qui bossent. Ah, attends, des collèges ou des collègues? J'ai pas compris en fait. Monsieur l'agent, Oui. la personne qui est derrière là, juste à côté de lui, m'a rentré dedans. Ah, il est trouvé. Je savais que j'étais pas très loin. Gaffe 4 ici, Ah. gaffe 3. J'écoute. J'ai un petit souci avec un accrochage. Vous avez besoin de renfort? Ouais, pourquoi il est parti en délit de fuite? En quelle direction? Moi, qu'est-ce que je fais là? Je Pas reste en loin de plein Pôle milieu de la route. emploi, mais on monte. On est parti donc avenue. Je suis vers l'avenue Sandro Andreas. Reçu. Reçu. Modèle du véhicule. Voiture sans permis. Reçu. Avec polo rouge, cheveux rasés. Reçu.
T'es planqué où? Ouais, moi je vous atteins. Je l'atteins au même endroit. Pas plus vieux après dans quelle direction? Tout droit, tout droit. Oui, tout droit, mais dans quel sens? Mettez votre corps face à la route là, enfin en direction de le. Ok, par là. Eh bah, je vais faire. Je vais faire mes recherches de l'autre côté. Hein, vous bougez pas. D'accord. D'accord. Merci. Ou sinon, je vous attends au commissariat. Sinon, vous faites ce que vous avez à faire et on vous recontacte si vous voulez. Oui, après, je veux bien prendre mon camion. Après, oui, non, c'est pas vous êtes monsieur, un problème. Monsieur Demet, c'est ça hein? Demet, ok. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire et je vous recontacte dès qu'on a du nouveau, d'accord? D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc c'est Guélan qui a fait ça. C'est ça. Ouais. Non, c'est pas vrai. Bon, sergent, il fait quoi, sergent, là? Il n'y a pas de sergent, là? Comment? J'ai peur de me faire arrêter. J'ai pas eu peur de l'argent. Gaffe 4, il faudra taper votre rapport. Bien reçu. De quoi, Guélan? Valdivi, il est en police? Ouais. Ah, mais j'ai juste de comprendre, en fait. Gaffe 4, je suis sur intervention. Est-ce que ce serait possible de venir sur intervention? Pour avoir du renfort. Reçu, vous êtes où? Cancer Water et Sam Vituel dans le carrefour. Albert. Je n'ai rien compris. À Sam Virtus Boulevard et Cancer What? Ah ouais. Ah, y a mon sergent. Doc, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je vous appelais parce qu'il y a une voiture qui m'a percuté de plein fouet et quand j'ai dit la description à votre collègue, il m'a dit que vous le cherchez depuis tout à l'heure, donc je sais pas. C'était quoi comme véhicule? C'est un véhicule sans permis marron. C'est la voiture qu'on recherche depuis tout à l'heure.
Sans permis, le monsieur il était blanc à l'intérieur et il m'a tapé là, vous voyez, sur le côté. Et j'ai donc plus de vitre. Et l'avant un peu abîmé. Il a traversé le. Comment dire? Le Los Santos et il est parti après à gauche. Et après, je sais pas, je me suis garé là et hop. Et l'individu était chaud avec un pull rouge, c'est ça? Pour moi, je l'ai vu habillé comme quand il venait d'arriver en ville, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, ouais, c'est ça. Ok. Donc, je sais pas comment il était vraiment habillé, ce que j'ai pas eu le temps de voir, mais je sais que c'est quand je suis arrivé en ville, j'étais un peu avec la même chose. Oui, non, mais je vois, mais vous inquiétez pas. Et donc, du coup, il est reparti en quelle direction là? Alors, il est parti là direct, comment dire, regardez, venez. Nous, on a eu l'accident là, donc comme je marche, il m'a tapé. Et il est parti là, il a tourné à gauche. Et il est D'accord. parti en face. Et après, il a Il retourné à gauche. Et après, a tourné à gauche, je sais d'accord. pas, je me suis garé. Vous savez, Ok, je me suis il garé et je l'ai vu. faudra poser une plainte, monsieur. Un doc. Oui. Je la pose au nom de l'entreprise ou au nom de personnel, Oui, parce que bah je. vous la mettez au nom de l'entreprise si vous voulez, ouais, pas de souci. Ouais. D'accord. Moi, je vais pas appeler mon médecin pour me soigner. Hein. Je pense que je peux le faire. Il n'y a pas de souci, Doc. Bon, on s'occupe de retrouver l'individu là, et Oui. vous, dès que vous avez le temps, n'hésitez pas à passer au commissariat pour Bah, déposer je une peux plainte. venir maintenant si vous voulez, mais c'est comme vous voulez, je peux y aller maintenant. Bah, allez-y, parce que je crois qu'il y a Et encore. du monde au commissariat, je crois. D'accord, j'y vais. Je regarde juste ici au magasin de vêtements, pas loin, sur mon télémeuble. Je crois qu'il y en Je a un passe au petit peu plus au nord là, vêtement, ouais, juste à côté, je passe parce que ouais. regardez mes chaussures, ça fait pas sérieux. Je me suis Ah, vous trompé. avez oublié de changer vos J'ai chaussures ce pas. matin, Doc? Ah oui, ce matin je me suis réveillé, j'ai pas mis les bonnes paires. Ah Vous savez, j'ai une vingtaine de paires et j'ai mis des petits numéros pour pas me tromper. Vous Et avez j'ai une pris vingtaine de le paires. numéro 9. Ah oui, une vingtaine de paires avec des petits numéros, un petit papier avec du scotch. Ou D'accord, Patafix, d'accord. ça dépend, quand j'avais pas de scotch. D'accord, ça Moi, marche. Bon. je vais Ok, vous laisser faire votre bah. travail, Ouais, ça marche. je vais au commissariat. Bah, allez-y pour vos Oui. chaussures et puis. Et dès que vous avez le temps, vous venez au commissariat. D'accord, j'arrive d'ici 2 minutes. Pas de Ok, ça problème, marche. je me Ça dépêche. marche. Au revoir, monsieur. Bonne journée, bon Au courage, revoir, faites Doc. Au revoir. Au revoir. Dès que tu peux, tu fais un rapport et dès que tu peux, tu prends aussi la plainte. Il faut recueillir aussi les plaintes des deux victimes là. Donc je te laisse gérer ça, tu veux, comme ça vas t'apprendre à gérer le tableau. Tu prends la plainte du deck et puis tu prendras aussi la plainte de Monsieur Demet. Comme ça, l'individu aura deux plaintes derrière son derche, ça va lui faire mal. Ok, bah il passe quand le doc? Le doc là, il part faire 2-3 courses là et puis il arrive juste après. Ok, ça marche. Et moi, je vais essayer de retrouver le véhicule là. Pourquoi j'ai encore le poids sur l'intervention? Par contre, moi, ma voiture, c'est celle du haut. Sur le temps d'attente. Non, tu as fermé ta voiture? Non, je l'avais pas fermé. Fais M. Porte très 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 fort à M. Et tu fais ouvrir les portières. Pourquoi moi je l'ai pas ouvert tout à l'heure? J'avais tout fermé. Ah mais ici j'ai pas trop l'habitude de rouler par là et j'ai pas. Allez. Démonter. Trop.
Garé devant, là, c'est réservé à la police. Garez-vous devant l'hôtel de police. Voilà, c'est réservé à la police. C'est parking de police. Là, je conduis comme une... Comme une... Ah bon par un collègue qui est habillé. Ah d'accord. Bon, allez, c'est quoi, je vais arrêter les collègues. Non, c'est quoi là. Ah ouais, quoi. Attends, je vais sur la porte plainte. Hop, on est là. 6. Monsieur Jenkin. Votre nom. Santos. D. Oh. S A. D O S. D O S. S A N. Ouais. T O S à la fin. Votre âge, s'il vous plaît. Attendez, quittez pas, monsieur Jenkins. Monsieur Jenkins. Est-ce que vous m'entendez? Goff 4 ici, Goff 3. J'écoute. Et j'ai un petit problème d'âge sur sa carte d'identité, quoi. C'est marqué un âge, mais alors qu'il a une vie, quoi, un autre âge. Je marque laquelle? C'est le doc, c'est ça? Ouais. C'est pas 32 ans, je crois, non? Ouais, si, 32, mais quoi, sur la sac d'identité, ça marque un autre. Ouais, c'est la préfecture, ils se sont trompés. Ok, je mets l'âge qui me dit. Yes. Ok, bien compris, terminé. Monsieur Jenkins? Monsieur Jenkins, c'est bien beau de rouler dans une belle voiture, mais on va peut-être penser à l'état de santé de vos oreilles, non? Ou à vos cordes vocales? Je dis ça, moi je dis rien. Monsieur Jenkins. Ouais, pourquoi il a marqué 32 ans et alors il a 60 ans, je mets 60 ans. Oui, parce que ouais, il a rechangé entre temps. Alors, tu prends l'âge 60 ans et tu okay. Lui dis qu'il repasse son passeport, qu'on contacte le gouvernement et qu'il lui repasse ta carte d'identité. Ok, monsieur Jenkins. Vous m'entendez, monsieur Jenkins? 1, 2, 1, 2. Y a pas que le micro que vous devez acheter, monsieur Jenkins. Vous m'entendez?
Bonjour monsieur l'agent. Ah. Vous m'entendez monsieur Jenkins? Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Oh, par contre, vous avez réduit le... Vous avez un petit problème de corde vocale là, non? Salut Makouille, comment tu vas? J'essaye d'éliminer tout souffle possible et imaginable. Par contre, vous avez peut-être un petit peu trop retiré les cordes vocales là. On fait ce qu'on peut. Ouais, alors, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est juste rajouter quelques cordes vocales, mais par contre, vous les éloignez un petit peu. Si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, vous êtes marrant. Voilà, bon, on va essayer comme ça. Est-ce que là, ça va? Non, ça va pas changer. Oui, ça va, Fred. Ça a été ta journée? Allez-y, prenez votre temps, monsieur Jenkins. Oh, mais non! Mais si. Ok, on essaie comme ça. Est-ce que ouais, c'est mieux ou pas? Ouais, ça a pas du tout augmenté, mais on va essayer de s'arranger. Ouais, bah tant pis, hein. Écoutez, moi j'ai pas le temps pour ce genre de conneries, tant pis, voilà. Oh, monsieur Jenkins, on va se calmer un peu quand même, hein. Ouais, non, mais vous savez, moi j'ai rendez-vous avec le médecin, voilà, je sais pas faire grand chose de plus là tout de suite. Ah, vous avez rendez-vous avec le médecin, d'accord. Bah, de toute façon, là, le médecin il a un petit peu pris, là, il a eu un petit accident, donc là on est en train de s'occuper de lui. D'ailleurs, parlant du médecin, comme vous allez vous présenter, je crois, pour les prochaines élections. S'il y a moyen et si les gens sont intéressés. Ok. Faudrait juste revoir sa carte d'identité parce que monsieur nous dit qu'il a 60 ans, mais sur sa carte d'identité, si je vous avouerai, je sais plus l'âge qu'il a exactement sur la carte d'identité. Alors vu que vous Attendez, avez certainement le bras long, pas le problème. Vous ne comprenez pas le problème. Alors non, on imagine sur sa carte d'identité. Alors on imagine sur sa carte d'identité c'est marqué 32 ans et quand on l'interroge il nous dit qu'il a 60 ans. Ok d'accord. Et d'accord. C'est le médecin qui dit ça. Oui c'est le médecin. Donc vu que vous avez le bras long monsieur Jenkins, je pense que vous pouvez peut-être vous arranger pour modifier sa carte d'identité auprès de la préfecture. Changer l'âge, c'est compliqué. Vous me dites qu'il dit qu'il a quel âge? Eh ben, il dit qu'il a 60 ans. Bon, après, je le crois pour son âge, parce que quand je vois les traits physiques, c'est vrai qu'il a un âge avancé quand même. Je reste pas longtemps. 60. Non, t'inquiète, frérot. Ok, d'accord. Et vous connaissez le nom du docteur ou pas? Monsieur José Dos Santos. D'accord, ok. Bah, je vais en informer le gouvernement alors, pour le changement. Ouais, ok, ça marche. Je savais que je pouvais compter sur vous, monsieur Jenkins. Ah bah toujours hein. Bon je vous ai pas vu là pendant quelques jours là, ça a été là, vous êtes parti en voyage. Avant la pluie j'avais pas fait gaffe qu'il avait plu d'ailleurs. Formation en fait à l'étranger. Parce que bah, en fait si vous voulez comme normalement j'ai fait toutes mes études de droit en Europe, je devais me rendre en Europe pour pouvoir obtenir les autorisations pour devenir procureur. Et donc, d'accord. Du coup, gros voyage. Bisous, Fredo. À l'étranger pour revenir ici et pouvoir alors aller au gouvernement et dire que j'ai les diplômes qu'il faut et l'expérience qu'il faut pour devenir procureur. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis parti. D'accord, ça marche. Bon, bah, j'espère que ça aura porté ses fruits. Ah, ouais, non, mais c'est bon. Maintenant, le gouvernement m'a nommé procureur. Ah, ça a été rapide quand même. Ah bah, comme le gouvernement est plutôt actif, en effet, ça a été vite, ouais. Alors, bon, on verra par la suite si vous êtes compétent. à mon avis, non. Hein. Non? Vous serez pas du tout compétent? Non, à mon avis, je serai le pire procureur que cette ville ait jamais eu. Eh bah, ça m'inquiète alors. Mais bon. Vous savez, voilà, faut profiter de la fonction hein, tant qu'elle est là. Ouais, et ben je vais en profiter au maximum. Vous avez bien raison. Non, ça marche. Plus sérieusement, pas de mon mieux. Et si jamais ça va pas, je pense que le gouvernement viendra m'en parler. Ouais, mais y a pas de problème. Je compte sur vous, monsieur Jenkins. Ouais,
gaffe hein, parce qu'on m'a dit qu'il y avait un contrat sur votre tête. Comment? Allez, au revoir. Vous pouvez répéter là ce que vous venez de dire là? Faites attention à vous, monsieur Jenkin. Allez-y, vous pouvez circuler. Hein. Ah. Pardon, ah. Je vous entendais pas pendant un moment. Vous avez dit quoi? Qu'il y avait une sur ma tête là? Vous pouvez répéter là, s'il vous plaît? J'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait une espèce de prime sur votre tête. Bah, donc, quoi en gros. Ouais, et bah on va voir ça alors. Et pour vous protéger, c'est tout, voilà. Oui, bien sûr, non, mais je comprends très bien. Et vous avez des renseignements là-dessus? Non, en fait, je me promenais dans les rues, dans le sud. Et alors, c'est ça que ça parlait beaucoup de vous, en fait. Et donc, comme j'étais en incognito, j'ai fait genre, bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Et apparemment, ils étaient plutôt vénères contre vous. Je sais pas très bien pourquoi. Peut-être que vous en avez arrêté un de leur gang ou je sais pas, et du coup il était pas content. Et donc du coup bah il parlait de vous tuer et d'une récompense sur votre tête. Et vous avez des signalements là-dessus là? Bah non, enfin je dirais à part ce gang que vous connaissez, hein, c'est celui qui est dans le sud là avec les foulards verts. D'accord. Et bah je vais mener une enquête là-dessus. Ouais. Ah bah je vais mener une enquête, on va voir. Pire, je pense que allez, le sergent Cohen, c'est probablement de quoi je parle. Ah, je veux dire au niveau du gang. Hein. D'accord, ouais, d'accord. Bon, je vais contrôler ça. Vous, hein. Non, mais j'en prends bien note, y'a pas de soucis, monsieur Jenkin. J'en prends bien note. Vous savez que c'est Jenkins. Y'a un S. Oui, ouais, je m'excuse, monsieur Jenkins. Monsieur Jenkins. Apparemment je suis pas le seul à devoir passer chez le médecin. Hein. Vous inquiétez pas pour moi. D'accord. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais voilà, ouais, voilà, tout à fait ce que j'allais vous dire. Ennuyé, je prends bien. Allez, arrêtez les méchants et faites attention. Voyez ça là. Lui, je vais m'en occuper. Putain, mais il est parti par où avec ma manette? Il faut rien. Merde. Paul, j'y crois pas. Je vais pas lui partir du coup. Et il est derrière. Goff 3 pour centrale, je poursuis un véhicule avec une conduite très 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 dangereuse. Je suis parti vers le sud. Ok, bien reçu. C'est un peu du n'importe quoi là en fait. L'individu prend beaucoup de risques pour s'enfuir. J'appelle des renforts. L'individu s'enfuit à pied là, il traverse le pont pour arriver au niveau du commissariat. Il est à pied? Il a sauté du pont. Ah, il a fait un suicide? Mais j'y crois pas, il a sauté du pont. Attends.
Ouais, monsieur. Ouais. Ok, bah je vais l'intercepter. Goff 4. Ici Goff 3. Désolé, cadet, je devais têter vos réflexes. L'enfoiré. Alors en fait, j'essaie de jouer avec avec la manette quand je conduis. Alors du coup, tu vois, quand Goff je marche 4, ou autre. Goff 3. Un instant, Goff 4. Et pour parler, j'appuie sur la touche sur ma souris. Et du coup, dès que je remonte la voiture et je veux prendre la manette pour vite rattraper. Et bon, tant pis. Alors je sais pas si j'étais au top, sergent. Bon, bah, du coup. Ouais, pas que je continue mes recherches. Pardon, j'écoute. J'ai trouvé le suspect en moto, celui qu'on cherchait. Mais il tournait autour du commercial police. J'arrive. Dans le secteur du commercial police. Là, j'ai pas kiffé. Et allez, tu couches, je t'avoue. Là, là. du coup, t'as perdu ton personnage ou tu t'es changé exprès? L'individu en moto est parti en quelle direction? C'est du rapide. Quand j'étais au commissariat de police en face au feu rouge, après je sais pas. Je sais pas si quoi, il était tout droit. En fait, j'ai eu des soucis, je peux plus prendre mon service, j'ai plus rien. Mais comme j'étais avec les victimes, quoi, il s'était enfui. Essaye de voir Max. Résor. Du coup, ouais, faut qu'il te remette flic en fait. Parce que en fait, je t'explique aussi Razor au cas où, Monsieur Jenkins. Si jamais tu veux tester un autre métier, que c'est ce que j'ai fait ce week-end, j'ai voulu tester le métier pêcheur, vu qu'il y en a qui n'y arrivaient pas ou autre. J'ai changé de métier et quand j'ai découvert Roco, bah, j'étais toujours marin pêcheur. Et ça ne l'a pas fait quoi. Il cherche, monsieur Jenkins, il cherche. Je sais pas ce qu'il cherche, mais il cherche. Wow. Elle est PNJ, il pète un câble des fois. Comment veux-tu le rattraper avec ta bagnole et puis la nôtre? C'est impossible.
Bon, j'arrête, pas la peine, mais... Ah bah impeccable. Franchement que tu vas pas perdre grand chose pour récupérer il va ressortir sa petite bête de néné et hop. Avec Kelly il se gare comme un putois lui. Ah ma bagnole elle est bon, ça joue bizarrement ce soir quand même. Il y a du bon pourtant. Ah, monsieur Demé, vous êtes en train de déposer votre plainte? Oui, oui. Bah très bien, parfait. Et l'ambulancier il va arriver parce qu'il a... il était en train d'appeler avec le gouvernement. Voilà. Ok, ok. Il va arriver après. Voilà, je fais passer le message. Bon, j'ai pris les plaintes. Ok, bon courage. Au revoir. Merci monsieur Demé pour votre plainte. J'espère que ça s'est bien passé avec mon collègue. Ouf. Il est pas très compétent, hein, ce que je vois. Sans doute, il est nouveau, quoi, après. Ouais, bah, faut laisser le temps. Moi, c'était pareil, c'était pas terrible, mais petit à petit, ça va venir. Oui. Oui, oui. Bon, et bien, je vous souhaite un bon courage. Merci à vous aussi, monsieur. Faites attention à vous. Oui, à vous aussi, surtout. Au revoir. Oui, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Collègue, fais gaffe, ta voiture, elle est mal garée, là. Laquelle? Bah la tienne là, elle est complètement à gauche là par rapport à C'est bien la sienne. Mohamed Ketarchi là. Golf 2, prise de service. Reçu, oh, bonjour. Bonsoir cadet. Bah alors sergent, vous avez eu des petits soucis familiaux? Ouais, des petits soucis. Des petits soucis de santé, mais vous inquiétez pas, ça va, ça va. Ça va. D'ailleurs, vous êtes en intervention ou pas? Là non, je viens de prendre mon fin de service, mais dites-moi sergent. Ah d'accord, ok, non mais très bien, si vous êtes plus en service, c'est pas grave ça, on verra ça une autre. Sergent, je vous présente, il y a un nouveau cadet qui est arrivé hier. Un nouveau cadet en service? Oui. Ouais. Indicatif, nouveau cadet? La tête. c'est moi, sergent. Ah, Macadam, je vous avais pas reconnu. C'est pas grave, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment ça, l'indicatif? Votre indicatif pour reconnaissance radio. Ah, Golf 4. C'est
T'as reçu Golf 4. Est-ce que vous pouvez venir au commissariat? Oui, bah je suis devant. Très le bien. Gars, il arrive. Est-ce que vous m'entendez bien, Macadams? Ouais, je vous entends, sergent. Pardon? Oui, je vous entends. D'accord, ok, très bien. Non, j'ai des petits soucis encore parce que j'ai des petits soucis de santé. C'est pour ça que j'ai pas été là pendant une semaine. Voilà. Bon. Ah, bonjour, ouais. Golf 4. Ouais. Donc, vous êtes monsieur Rodriguez, hein, si j'ai bien lu les candidatures. Très bien. Ça fait longtemps que vous avez rejoint les forces de police? Non, depuis hier. Depuis hier, très bien. Bon. Bon, je fais confiance à Macadam pour qu'il vous ait un petit peu aiguillé sur, sur la marche à suivre. Oui. Très bien, très bien. Bon, vous preniez votre fin de service, Cadet, je crois. Ah oui, c'est ça, tout à fait, sergent. Vous retenir. Hein. Non, non, il n'y a pas de mal, n'inquiétez pas, ça me fait plaisir de vous revoir, sergent. Très bien. Ouais, ouais, bah écoutez, si je suis en service, c'est que ça va mieux. Donc voilà, j'ai eu des petits soucis, j'ai perdu mes cheveux, enfin voilà. Tentez, vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. Plus aucun souci, on attend que les cheveux repoussent et ça ira beaucoup mieux après. Bah j'espère que ça ira mieux pour vous pour la suite, ouais, sergent, parce que là ça fait peur quand même. Ouais. Non, non, vous inquiétez pas, c'est dans le cadre de mon hospitalisation. Vous inquiétez pas. D'accord, ça marche. Le principal, c'est que je reprenne du service. Là, ça va me changer un peu les idées. J'avais besoin d'un petit peu d'action. Donc, ça tombe bien que le nouveau cadet soit là. On va pouvoir partir en patrouille. Eh ben, de l'action, vous allez en trouver, sergent. Ne vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, je vous retiens pas, Macadam. Bonne soirée à vous. Merci à vous aussi, sergent. Et puis, bah, bonne reprise de service. Merci bien. Je vous en prie. Avec Calais, bon courage, tu vas voir, c'est un bon sergent. Ok, ok. Allez, shoot.